Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 22 novembre 2011, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mourait à 85 ans dans une petite ville du Wisconsin, aux États-Unis, Svetlana Aliluyeva, fille unique de Staline. Svetlana avait passé sa vie dans une perpétuelle errance entre Russie, États-Unis et Angleterre. Elle avait la bougeotte, semblait ne jamais pouvoir être heureuse nulle part et finissait toujours où qu'elle soit par ressentir le violent besoin de partir, de s'évader. Enfant, Svetlana avait été la chouchoute de Staline. Pour celle qu'il appelait son petit moineau, le dictateur était un père affectueux. Mais peut-on sortir indemne des bras d'un père hyper-possessif qui, tandis qu'il vous fait sauter sur ses genoux, martyrise son propre peuple? Pour le savoir, suivez-moi dans l'Union soviétique des années 30 pour un épisode en deux parties à la rencontre de Svetlana Aliluyeva, l'enfant chéri de Joseph Staline. Première partie, la petite princesse du Kremlin. Ils n'ont même pas pris la peine de s'annoncer. D'un puissant coup de botte, un milicien entouré de deux soldats vient de défoncer la porte de la maison. La famille de paysans qui habite ici est attablée autour d'un bortsch, une pauvre soupe aux choux. Où est votre réserve de blé Donnez-la nous immédiatement. Mais camarades, et nous De quoi nous nourrirons-nous Inutile d'attendre une réponse. Ce sont les règles de la collectivisation, voilà tout. Tous les paysans riches, les Koulak, doivent donner tout ce qu'ils ont, et leurs récoltes seront réparties entre ceux qui n'ont rien. Le chef de famille se lève. Il sait qu'il doit obéir. Avant-hier, son voisin a refusé d'obtempérer, il a été abattu d'une balle dans la nuque. Pourtant, il n'était pas bien riche. Mais ici en Ukraine, tous ceux qui possèdent un jardin et un cheval sont désormais considérés comme paysans riches. Les trois miliciens chargent les sacs de blé sur une charrette. Avant de partir, l'un d'entre eux se dirige vers le poêle qui est au milieu de la pièce et, d'un coup de crosse de fusil, casse le conduit d'alimentation. Ici, cet hiver, on ne mourra pas seulement de faim, on mourra aussi de froid. Et de fait, l'hiver 1930 conjugue toutes les tragédies. Non seulement il fait froid, très froid, jusqu'à moins 50, mais malheur à ceux qui sont désignés comme ennemis du peuple. Les miliciens sont chargés d'en débarrasser l'Union soviétique. Deux millions de kulaks, c'est-à-dire de paysans, sont déportés. Le quart de la ville de Saint-Pétersbourg est arrêté. Des milliers de personnes sont fusillées. Au même moment, près de Moscou, dans une coquette maison de pierre rouge, la petite Svetlana, 4 ans, joue avec la poupée de porcelaine offerte par son papa. Née le 28 février 1926 à Moscou, Svetlana est une enfant irrésistible, joliment potelée, les cheveux roux, le front couvert de taches de rousseur. Autour d'elle, serviteurs et gouvernantes s'affairent pour lui être agréables. Dehors, des gardes se relaient pour les ronds nécessaires à la protection de la famille qui vit ici. Dans l'innocence de son âge, Svetlana ignore qu'elle est la fille du maître absolu de la Russie soviétique, Joseph Djoukashvili, dit Staline. Dans cette maison qui est l'une des multiples résidences secondaires de Staline, sont venus se reposer du tumulte de Moscou les grands-parents de Svetlana, ses tantes, ses oncles, son frère et son demi-frère son père aime rassembler toute la famille ici et avoir tout son petit monde sous la main tandis qu'il travaille seul dans une pièce meublée simplement d'un canapé et d'un téléphone. Parfois il descend au rez-de-chaussée, et prenant sa fille dans ses bras, l'emmène se promener dans l'immense jardin qui entoure la maison. Il couvre de baisers celle qu'il surnomme tendrement son petit moineau, Assise sur son avant-bras, elle lui tire les moustaches et grimace en sentant l'odeur de tabac dont elles sont imprégnées. Svetlana est l'enfant chéri de Staline, l'enfant choyé, aimé jusqu'à l'idolâtrie. Il fait en sorte qu'elle ne manque de rien, ni de jouets, ni de poupées, ni d'attention entourée d'une nounou et d'une gouvernante qui veille chaque seconde sur ses occupations, sa toilette et ses repas, elle vit dans un monde enchanté, ignorante des réalités extérieures. Si Svetlana est proche de son père, il n'en est pas de même avec sa mère. Nadia est une femme certes attentive et juste, mais elle se montre d'une grande froideur, pas un mot tendre, pas une caresse. Quand elle écrit à sa fille, c'est toujours pour lui faire la leçon. Bonjour, petite Svetlana. Lorsque ta maman est partie, sa petite fille lui avait promis beaucoup, beaucoup de choses. Mais elle n'a tenu compte que d'un petit nombre de ses promesses. N'oublie pas de me répondre sur la manière dont tu as décidé de te conduire désormais. Sérieusement ou autrement Réfléchis comme il faut. Ma petite fille est déjà grande et sait réfléchir. Ta maman. Cette lettre. Envoyé à une petite fille de quatre ans et demi, révèle le tempérament de sa mère plus que toute description. Sur les photos d'elle, on découvre une femme au visage austère, aux grosses joues de caucasienne, visage sans grande beauté, à peine animé par un sourire de circonstance. Au dire de Svetlana, qui s'en ouvrira dans ses mémoires, jamais sa mère ne l'a prise dans ses bras. Mais, c'est une femme fidèle à son mari, fidèle au Parti communiste dont elle suit toutes les directives avec soin, et fidèle à ses devoirs de mère. Sa sévérité semble avoir été une marque de conduite qu'elle s'est imposée conformément à sa foi bolchevique. Sa fille doit être élevée comme une bonne communiste. Nadia est si scrupuleuse dans l'observation des règles du parti qu'elle ne prend jamais la voiture de fonction qui lui est attribuée pour aller en ville elle prend les transports en commun, elle se coiffe seule, s'habille très simplement, mange sobrement, parle peu, elle voue à Staline un amour absolu. Svetlana, noyée de bonheur dans la Tour d'ivoire, le monde enchanté que Staline a construit pour elle, ne sait pas que partout ailleurs en Russie La faim, le froid, la violence font des ravages. À Leningrad, il n'est pas rare de trouver des cadavres dans les rues. À quelques centaines de kilomètres de Moscou, les habitants des villages isolés voient passer régulièrement de longs convois de prisonniers qui partent pour la Sibérie. Parmi les amis de son père qui viennent lui rendre visite, il en est un qu'elle déteste particulièrement Beria. Cet homme, elle ne sait pourquoi, lui inspire un dégoût irrépressible. Pourtant, son père a l'air de l'aimer et de l'estimer, puisqu'il en a fait son bras droit. Beria est un petit monsieur presque chauve, au visage lisse, sans expression, le nez chaussé de lorgnon. Quand il vient, Svetlana a le sentiment que son père n'est plus le même. Les deux hommes s'entretiennent longuement, Staline écoute attentivement. Svetlana, a la dérobée écoute la conversation sans toutefois y rien comprendre, mais elle a le sentiment diffus que son père écoute les conseils de cet affreux bonhomme dont les lèvres charnues s'agitent mollement et soufflent tout bas des choses horribles. Chaque jour qui passe, la mère de Svetlana semble plus triste, plus mutique, plus renfermée. Elle, qui ne parlait déjà pas beaucoup, s'isole à présent de longues heures. Certains soirs, Svetlana surprend de violentes disputes entre ses parents. Elle voit sa mère pleurer. Elle entend les violentes insultes proférées par son père contre sa maman. Souka, chienne, que se passe-t-il Le 8 novembre 1932, à l'occasion du 15e anniversaire de la Révolution d'octobre, Staline organise un grand banquet au Kremlin. Pour fêter l'événement, toute la famille a été rapatriée à Moscou. Les membres du gouvernement sont également réunis. On discute bruyamment, on rit, on boit. Seule Nadia reste silencieuse. Assise en face de son mari, elle garde la tête baissée, elle paraît songeuse. Soudain, Staline lui lance Nous stotti, pioche, et toi, tu ne bois pas je une manière bien brutale de s'adresser à quelqu'un dans la rue, ça pourrait justifier un coup de poing dans la figure. Nadia se lève livide. C'est comme ça que tu parles à ta femme? Elle bouscule sa chaise, traverse la salle d'un pas rapide, claque la porte. Svetlana, au moment de l'incident, dort tranquillement. C'est à peine si elle a entendu sa mère revenir tard dans la nuit. Elle ignore que, pour se calmer, celle ci vient de faire trois fois le tour du Kremlin à pied, dans la pluie et le vent, accompagnée de sa femme de chambre. Puis elle est rentrée et s'est enfermée dans sa chambre. Elle sait que Staline ne viendra pas l'y rejoindre. En temps normal, il dort dans une pièce à part sur un canapé-lit. La nuit passe. Le lendemain, la gouvernante vient comme d'habitude apporter le petit déjeuner à Nadia. Elle ouvre la porte, qui n'était pas fermée à clé. Elle pousse un cri. À terre, baignant dans son sang, Nadia gît inanimée. À côté d'elle, un petit pistolet. Toute la maisonnée est mise au courant, sauf Svetlana, qu'on emmène au dehors. On la calme, on la rassure. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Staline était en train de dormir, il est réveillé. Il arrive alors dans la chambre de sa femme. Il est livide. Le médecin dépêché sur place ne peut que constater le décès de Nadia. Elle s'est tirée une balle dans le cœur. Elle a dû mourir sur le coup. Évidemment, Svetlana ne pourrait pas comprendre la situation. On lui dit que sa maman est partie. Elle se calme rapidement, assise sur les genoux de son grand-père. Dans la famille, c'est la consternation. Comment une femme d'un tel caractère a-t-elle pu faire une chose pareille À mots couverts, on évoque un état dépressif. Les disputes avec Staline étaient fréquentes. Nadia évoquait parfois sa grossièreté, sa dureté avec elle. Avant de mourir, elle lui a laissé une lettre qui va achever de le sidérer. Personne ne l'a lue. Svetlana, dans ses souvenirs, saura seulement que c'était une longue suite de reproches. Ce devait sans doute être pire que cela. Elle évoquera des propos terrifiants. Sur les photos d'archives, les proches présents à l'enterrement de Nadia affichent un visage où se lit la tristesse, bien sûr, mais aussi une sorte de désolation. Ce jour là, Staline, l'air absent, s'approche du cercueil puis, soudain d'un geste brusque, il le repousse de ses deux mains, tourne les talons et s'en va. À partir de ce jour, la petite Svetlana voit son père s'enfermer dans un silence lugubre, elle l'entend parfois s'emporter, seule, jurant et frappant le sol du talon. Pourquoi m'a-t-elle fait ça À moi Et sans respect pour sa défunte femme, il profère les pires insultes. Svetlana a maintenant six ans, l'âge d'aller à l'école. À partir de ce jour, elle commence à comprendre qu'elle n'est pas une enfant comme les autres. Elle a un garde du corps qui la suit de loin et fouille son cartable quand elle rentre. Et puis, jamais on ne la laisse seule une minute. Mais tout cela pourquoi Elle ne saurait le dire. À la maison, Staline se montre néanmoins toujours tendre avec elle. Mais son attitude envers la famille de sa femme, hébergée avec lui au Kremlin, change peu à peu. Sans doute sous l'influence de Beria, il a acquis la certitude que Nadia n'a pu mettre fin à ses jours volontairement. On l'y a aidé, on lui a soufflé des horreurs au sujet de son mari. Qui cela peut-il bien être, sinon les proches même de son épouse, ceux qu'elle côtoyait chaque jour dans l'immense domaine du Kremlin Peut-être a-t-elle pris ombrage le jour où Vassia. Le fils que Staline a eu avec sa première femme a tenté de se suicider. Nadia aimait beaucoup ce garçon raffiné et délicat, qui était tout l'inverse de son père. En apprenant sa tentative de suicide, Staline, ricanant, avait lancé La brutille s'est loupée. Nadia en avait été atterrée. Le temps passe. Et la petite Svetlana voit disparaître un à un tous ses oncles, ses tantes, ses cousins, puis ses grands-parents maternels. Elle ignore que sur décision de Staline, ils ont été déportés ou fusillés. La raison Beria est un as pour trouver de quoi accuser un innocent de tout et n'importe quoi. Une simple visite en Occident avant la Révolution est suffisante pour envoyer quelqu'un dix ans en Sibérie pour collusion avec l'ennemi. Staline, si l'on en croit sa fille, a une confiance aveugle en Beria. Si Beria trouve des preuves pour accuser un homme, y compris son propre fils, Staline le fera déporter sans broncher. Pourtant, ces tragiques événements n'entachent pas la complicité de Staline avec Svetlana. Lorsqu'elle se trouve dans la maison de campagne, ils s'échangent des mots tendres sous forme d'un étrange rituel venant d'un père avec sa fille. Sous le surnom de Zetanka, elle envoie des billets à celui qui est alors premier secrétaire du parti. Au camarade Staline, secrétaire numéro 1, ordre numéro 4, je t'ordonne de m'emmener avec toi. Signé Zetanka, la patronne. Réponse de Staline. Signature du secrétaire numéro 1, je me soumets. Ces billets régulièrement échangés sont tous du même acabit. Staline répond invariablement par les formules consacrées J'obéis ou. Exécution. Quant à Svetlana, elle se fait appeler ta petite patronne. À ses yeux, son père est un dieu. Sans doute a-t-elle remarqué que tous au Kremlin le craignent. Elle n'y prête guère attention. La fin de l'enfance approche pour la fille de l'homme le plus puissant de Russie. Nous sommes en 1937, elle a maintenant 11 ans. Une vague de terreur s'apprête à frapper le pays. Quelle adolescente sera-t-elle Et surtout, quel adulte peut-elle bien devenir dans l'ombre d'un père aussi possessif C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de ce récit consacré à Svetlana Aliluyeva, la fille unique de Staline. Seconde partie quatre mariages et un enterrement. À l'aube de l'adolescence, Vetlana supporte de plus en plus mal les mesures de sécurité qui lui sont imposées. L'homme qui est attaché à sa surveillance continue de la suivre de loin en loin dans la rue et puis tous ses allées et venues et fouille régulièrement toutes ses affaires. Elle est cependant largement protégée du vent de folie qui se met à souffler sur le pays à partir de 1937. Pendant cette période entrée dans l'histoire sous le vocable de purge stalinienne, des centaines de personnes suspectes sont arrêtées chaque jour, éliminées ou déportées. Svetlana ne sait rien de tout cela, mais la présence continuelle de Beria sur les talons de son père lui inspire une véritable nausée. Beria, dira-t-elle, était le type parfait du courtisan de notre époque, l'incarnation de la perfidie orientale, de la flatterie, de l'hypocrisie. Nombreux sont les actes de ce monstre qui retombe à présent sur mon père. Et d'évoquer au fil de ses souvenirs ce démon abject, sa répugnante nature, son visage hideux. En 1939, alors qu'Hitler jette ses armées sur l'Europe, Svetlana, qui a 15 ans, ressent les premiers émois de l'adolescence. Alors que les nouvelles venues du front sont terrifiantes, elle ne pense pas à la guerre et continue à vivre à peu près normalement. Elle sort, va au théâtre, à l'opéra. Son père remarque qu'elle ne s'habille plus comme une enfant. Il fulmine ⁇ Qu'est-ce que c'est que ces jupes qui couvrent à peine les cuisses Habillez-moi cette fille de manière décente !⁇ Tandis qu'à Leningrad, le froid, la faim, tuent autant que les bombes. Svetlana passe ses soirées à danser le foxtrot, danse proscrite pour le peuple, mais autorisée aux enfants des hauts dignitaires du parti. C'est lors d'une de ces soirées... Que Svetlana rencontre son premier amour, le cinéaste juif Alexis Kapler. C'est un bel homme, très élégant, profondément cultivé. Svetlana est sous le charme mais il a quarante ans, et elle seize. Une figure de père apparut dans sa vie au moment même où elle en veut mortellement au sien, depuis qu'elle a découvert en lisant un journal anglais on lui a menti depuis toujours sur la mort de sa mère. Quelque chose s'est alors brisé en elle. Faut-il trouver dans cette profonde blessure les raisons de la romance qu'elle engage avec cet inconnu Trois ans après leur rencontre, en 1942, ils ne se quittent plus et passent tout l'hiver ensemble. Svetlana est folle amoureuse. Pourtant, il a été établi que cette relation n'avait été que platonique. Tout au plus, les tourtereaux. Ont-ils échangé de brûlants baisers lorsqu'ils se retrouvaient seuls? Staline finit par apprendre l'existence de cette liaison. Il écume de rage que sa fille est un amant quadragénaire, pas encore, mais un juif. C'est inacceptable. Je sais tout, toutes tes communications téléphoniques, les voici, regarde un peu. Ton Kapler est un espion anglais, il est arrêté. Le 28 février 1943, jour de l'anniversaire de Svetlana, les amoureux se voient pour la dernière fois. Deux jours plus tard, deux miliciens viennent chercher Alexis Kapler et le conduisent à la prison d'État, la Lubyanka. De là, il part aussitôt en déportation. Il y restera dix ans. Pour Svetlana, c'est une double mise à mort. Elle perd celui dont elle dira toujours qu'il était l'homme de sa vie et elle perd en Staline le père tendre, affectueux, attentif qui avait enchanté son enfance. La rupture forcée avec Alexis Kapler a traumatisé Svetlana. Dès lors, elle enchaîne les liaisons. Dans chacune de ses rencontres avec un homme, elle va se révéler entière, passionnée, exclusive. Elle cherche à être libre là où tout lui est toujours imposé. Ainsi, elle voulait faire des études de lettres à l'université, mais son père le lui a interdit. Faire de la littérature, devenir comme tous ces parasites d'écrivains, pas question. « Tu feras de l'histoire. » Plus que jamais, les relations entre Svetlana et son père sont tendues. Insensiblement, ils deviennent étrangers l'un à l'autre. En 1944, Svetlana a alors 18 ans. Elle rencontre à la faculté d'histoire un ancien camarade de lycée, Grigory Morozov. Elle fait part à son père de l'intention de l'épouser. Elle essuie d'abord un refus... Puis Staline, d'un revers de main, lui lance. Le diable t'emporte, fais ce que tu veux. Le mariage sera de courte durée. Grégory est juif, et puis, alors que tout le monde est au front, il est un planqué. Jamais Staline n'acceptera de le rencontrer. Mais un petit garçon naît de cette union. En 1947, le couple divorce. Svetlana se rend à l'évidence, elle n'est pas amoureuse. Que représentait ce Grégory pour elle, sinon une manière d'oublier Kappler et de faire enrager son père en épousant un juif Le jour de la victoire contre Hitler, Svetlana se fend tout de même d'un petit coup de fil à son père. Félicitations pour la victoire, papa Les relations entre le père et la fille s'arrêteront là, jusqu'en 1949. Svetlana, qui a à présent 23 ans, s'est décidée à épouser un ancien camarade de collège, Yuri Zhdanov, fils d'Andrei Zhdanov, ami intime et ministre de la Culture et de la Propagande de Staline. Épouse-le, il a de l'avenir, il me plaît et il t'aime. Une petite fille prématurée naît de ce mariage qui, comme le précédent, va tourner court. Geste révélateur, Svetlana écrit à son père pour lui faire part de son mal-être. Après tout, si elle a épousé Zhdanov, c'est bien pour lui faire plaisir, non Ton comportement est insupportable, lui répond Staline. Il confie à ses proches son mécontentement. Svetlana n'en fait qu'à sa tête. Morozov était sans doute un brave gars, mais pour Svetlana, ce n'était pas de l'amour. Elle voulait simplement s'amuser. Elle portait la culotte, et naturellement, cela a compromis leur mariage. Ensuite, elle s'est remariée, et maintenant Elle ne sait même pas coudre un bouton. Ses nous, ne lui ont rien appris. Si sa mère l'avait élevée, elle aurait eu davantage de discipline. De fait, Svetlana fait ce qu'elle veut, c'est certain. Le 27 août 1949, elle crée la surprise dans le monde entier en apparaissant à moitié nue dans le magazine Paris Match. L'heure est à la détente, on veut montrer une Union soviétique libre et sexy en exposant la beauté très russe, à la fois plantureuse et respirant la santé, de la fille unique de Staline. Mais ces sourires sur papier glacé dissimulent une amère réalité. Dans les années qui précèdent la mort de Staline, père et fille ne se voient plus que très rarement. Svetlana retrouve son père une dernière fois avant sa mort, à l'occasion de son 73e anniversaire le 21 décembre 1952. La soirée est placée sous le signe des traditions géorgiennes, le vin coule à flot, Staline est ivre. Alors que Svetlana reste à l'écart, il vient la chercher et exige qu'elle danse pour les convives. Tu es la maîtresse de maison, non Alors danse J'en ai pas envie Danse, te dis-je D'un geste brusque, Staline empoigne Svetlana par les cheveux et la traîne jusqu'au centre de la pièce. Leur ultime rencontre aura été placée sous le sceau de la violence. Sans doute Svetlana a-t-elle vu ce soir-là pour la première fois le vrai visage de son père Staline meurt un an plus tard, le 5 mars 1953. Dans les rues de Moscou déferle une marée humaine. La bousculade fait des centaines de victimes. À compter de ce jour, Svetlana va se conduire comme une barque sur un océan secoué par la tempête. Staline, mort, elle a perdu son père, son rivage, sa terre. La révélation des crimes qu'il aurait commis la laisse sceptique. Pour elle, Beria est responsable de tout. Son père était plus influençable qu'on ne se l'imaginait. Non, il n'est en rien responsable des millions de victimes qu'on lui impute. Les passages à vide chez Svetlana se soldent souvent par un mariage. Et de trois, donc, avec cette fois un économiste géorgien. Parmi les apparatchiks du régime, on rit sous cape. Chacun sait que se marier avec la fille de Staline est un engagement au divorce plus qu'un engagement au mariage. Secrètement, Svetlana nourrit l'espoir de changer de vie. Elle renonce au nom de Staline et prend celui de sa mère, Alilouyeva. Au début des années 60, son cœur, déjà enclin à palpiter de manière anarchique, s'enflamme pour un vieux communiste indien, Brajesh Singh, qu'elle épouse en secret. Mariage désavoué par les autorités, dès qu'elles ont vent de cette décision prise comme d'habitude à la hâte. L'autorité du parti a remplacé celle du père. Kosygin, ministre des Affaires étrangères soviétiques, ne veut pas entendre parler de cette union, mais il devrait savoir qu'avec Svetlana, aucun mariage ne dure bien longtemps. Celui-ci prendra fin prématurément, mais cette fois, non par condamnation au goulag, lassitude ou mésentente, mais parce que Brajesh Singh, gravement malade, meurt à Moscou. Svetlana est dévastée, bien sûr, mais elle entrevoit dans la mort de son troisième mari une porte de sortie. Au prétexte d'aller en Inde disperser ses cendres, elle obtient l'autorisation de s'y rendre. Sa décision est prise, elle va passer à l'Ouest. Le 6 mars 1967, alors qu'elle se trouve à New Delhi, elle se présente à l'ambassade des États-Unis. Je suis la fille de Staline, déclare-t-elle. La stupeur passée, on vérifie ses papiers, mais oui, c'est bien elle. Il faudra pourtant un certain temps avant qu'elle puisse gagner l'Amérique. La guerre froide est terminée, plus ou moins. Les relations diplomatiques entre États-Unis et URSS seraient presque au beau fixe. Ce n'est pas le moment de tout gâcher en donnant asile à la fille de Staline. Depuis l'Inde, Svetlana gagne donc Rome, puis la Suisse, seul pays disposé à la recevoir. Elle est chaperonnée par un agent de la CIA. Dès son arrivée, la question de ses conditions de vie à venir en Occident est réglée en beauté. Elle signe un contrat juteux avec une maison d'édition américaine qui lui verse un million et demi de dollars pour la publication de son livre Vingt lettres à un ami. À présent, elle va pouvoir vivre par elle-même et pour elle-même. Elle a 39 ans. Quand elle arrive finalement à New York en avril 1967, dans les interviews qu'elle donne en présence de dizaines de journalistes, elle renie son père, qu'elle qualifie de monstre, et elle compare le KGB à la Gestapo. À Princeton, elle fera son petit effet en brûlant son passeport soviétique devant la presse. Peu importe où je vais, je serai partout la prisonnière politique du nom de mon père, déclare-t-elle. En partant aux États-Unis, elle a quand même laissé derrière elle son fils de 22 ans, Yossif Joseph, qui deviendra radiologue, et sa fille de 17 ans, Yekaterina, Catherine, qui elle deviendra une vulcanologue réputée et une communiste convaincue. De son quatrième et dernier mari, l'architecte William Peters, qu'elle épouse en 1970, Svetlana a un troisième enfant, Olga. Désormais, elle se fait appeler Lana Peters. Pas pour longtemps, d'ailleurs, car avec elle, les mariages se suivent et se ressemblent, et celui-ci ne dure que trois ans. Dans les dix années suivantes, Svetlana obtient la nationalité américaine, s'installe en Angleterre avec sa fille Olga, elles passeront dix ans à Cambridge. Elle téléphone à son fils Yossif aussi souvent qu'elle le peut, mais il lui manque. Et surtout, elle sent qu'il ne va pas bien, il est en train de sombrer dans l'alcoolisme. Alors pour lui, elle met fin à son exil de 17 ans et reprend pour elle et sa fille Olga, qui a alors 13 ans, la nationalité soviétique nouveau reniement, mais cette fois de sa vie américaine. Elle tente de s'installer à Tbilissi, en Géorgie, région dont son père était originaire. Mais ce retour aux sources est un échec. Elle a notamment beaucoup de mal à accepter qu'ici son père fasse toujours l'objet d'une admiration éperdue et aveugle. Finalement, elle obtient de Gorbatchev, alors secrétaire général du Parti communiste soviétique, de pouvoir quitter à nouveau l'URSS, retour aux États-Unis en 86. À partir de là, elle mènera une vie paisible et rangée avec sa fille Olga jusqu'à sa mort le 22 novembre 2011 dans l'indifférence quasi-générale. En Russie, c'est à peine si on a relayé l'information. Sachez tout de même que Svetlana avait pu revoir Alexis Kapler quand il était sorti du goulag. Ils avaient eu une liaison alors que lui était marié. Elle considérait qu'il avait été le seul homme de sa vie. Enfin, à titre d'épilogue des aventures de Svetlana, Olga, sa fille, la petite fille américaine de Staline, vit aux États-Unis sous le nom de Chris Evans. Elle est bouddhiste et vend des antiquités asiatiques. C'est la fin de ce double épisode consacré à Svetlana Lilugeva, fille de Staline. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au Cœur de l'Histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au Cœur de l'Histoire est une création originale europain Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Victor Nolo. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend comme d'habitude sur le site de Repin. À très bientôt.